Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver en ce moment quotidiennement à 7h du matin pour de nouvelles vidéos, de nouvelles constructions. On démarre la journée ensemble en ce moment avec de très jolies constructions et aujourd'hui on va s'intéresser à la 7ème box de la Jaguar Type E aux éditions Agora Modèle, principalement comme montage ça va être les jantes, le pneu, les haillons, enfin vous avez vu un petit peu les montages que nous avions eu sur cette fameuse roue, c'est ce qui nous attend dans cette box. Comme vous le savez, aucune notice à l'intérieur, tout se passe sur l'ordi ou tablette ou téléphone, les pas à pas sont dessus, il n'y a pas de papier à l'intérieur. Alors le temps pour moi, eh bien de sortir ma tablette et on se retrouve juste après ce court générique, à tout de suite. Allez, c'est parti. La box 7 est ici avec, eh bien, vous le voyez, essentiellement, ça va être les deux roues. Donc, je pense que là, on en a déjà une montée une. Il y en a deux dans cette box. Ça fera 3. On en a déjà monté une autre aussi. C'est la roue de secours 4. Il en restera encore une pour terminer la Jaguar. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est parti, vous le voyez, hein, toutes les parties pièces ici pour le montage des deux roues. Nous avons une gomme et on a un pot d'échappement, un tuyau ici que l'on va monter, qui est en une seule partie, qui est pas mal, hein, bien fait. Voilà, ça c'est le programme de cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va s'intéresser au pot d'échappement. Alors j'ai cru qu'il était en une seule partie, mais en fait non, ils ont déjà emboîté les deux parties entre elles. Il faut quand même les fixer. Allez, on va ouvrir ça. Voilà, vous voyez, ils avaient déjà pris le soin de me faire du montage. Tac, tac. On va fixer ça ici avec 4 vis AG06. Ensuite, on récupère le plancher, l'intégralité du plancher. On va positionner le pot d'échappement ici. Voilà, on le maintient. Et à l'arrière, ici et là, deux vis AG06. Voilà le travail. Étape 50, c'est parti pour les roues. Tac, ça, ici. Et on récupère également l'étape 51, qui est ici, avec tout ce petit beau monde. Voilà, belle pièce ici encore. On reprend, bien sûr, notre patron. Voilà, on pose bien notre roue, notre axe au milieu. Ça c'est super important, voilà, avec bien sûr le petit picot face à nous, très très important ça. Ensuite on prend cette pièce, on a un petit trou, on le positionne ici dans le piquet, dans le picot, ça maintient bien la roue et puis c'est parti, c'est maintenant que l'on va insérer tous les petits haillons qui sont ici. Et donc c'est parti, un après l'autre, on va installer les petits haillons. Donc on va le faire pour 2-3 étapes ensemble et puis ensuite c'est là que la magie du off viendra se faire, puisque je le ferai tac hors caméra bien sûr, parce que ça prend énormément de temps, hein. Voilà, et là tac, on met le premier ici. Et donc on fait pareil, on en prend un autre tout en bas, on l'insère, hop, on le pousse, on le récupère. À
Ah, c'est de la chirurgie, hein. Franchement, c'est de la chirurgie qu'on fait haillon après haillon. Voilà. Et on le positionne. Et on remet l'autre en place. Et voilà. Pour les deux ici de poser. Puis je fais ça pour tout le tour. Voilà, tous les petites barres sont posées. Maintenant, on va poser la deuxième rangée. Donc, on a à nouveau ici les petites pointes coudées. On va les poser, hein, les petits rayons, pardon. Et on va les poser donc dans l'autre sens cette fois-ci. Voilà. Et on le pose tout simplement, tout naturellement. Sur le haillon, sur le rayon. Alors c'est sur lequel voilà. Sur celui-là. Voilà. Allez, on fait pareil pour tout le tour. Voilà, tous les rayons sont montés. Il n'y a plus qu'à venir les fixer avec cette pièce ici par-dessus et on y met 4 vis, je ne saurais même pas vous dire exactement, c'est des vis AG02, on maintient le tout et on fixe délicatement pour maintenir l'ensemble. Voilà, là maintenant ça c'est en place, ça ne bouge plus. Ensuite il n'y a plus qu'à retirer le support ici, voilà, hop là, délicatement, parce qu'on en aura encore besoin. Voilà, là on a un début de fait. Ensuite numéro 52. On va récupérer ça. Avec le centre de la jante en métal. On prend ce cercle en métal. Ici, on le positionne. Il y a un picot. Ça rentre dans le picot. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on prend les rayons de type A et on les installe trou intérieur. Voilà, alors ça c'est assez complexe puisqu'il faut les mettre également dans son centre ici. Hop, voilà. On vérifie qu'ils soient bien ici au centre et on serre le tout. Voilà. Et on fait pareil tout le long. Voilà, les rayons, tout est posé. Maintenant, on bloque avec un petit morceau de papier et on va tout simplement les rentrer les uns après les autres à leur emplacement pour les bloquer derrière, ici. Tout simplement, et on les met et on fait tourner délicatement. Alors là, le but, c'est de ne plus rien faire bouger pour éviter, eh bien, tout simplement, de les détacher. Voilà, on les positionne. C'est très compliqué ça. Ça c'est super complicados. Une fois les rayons posés, je fais très attention. Je vais délicatement, je positionne cette pièce ici. Et ensuite, on vient fixer le tout avec 4 vis AG03. Et voilà, et là nous avons une jante de terminée.
Ensuite, on récupère la gomme qui est ici et on va la faire ramollir. Allez, la roue a baigné dans l'eau chaude. Maintenant, on n'a plus qu'à venir l'installer. Même en la mettant dans l'eau, vous le voyez, c'est quand même assez complexe. Une fois que c'est fait, hop là, on y arrive. Et voilà, impeccable. Franchement, c'est, je le répéterai peut-être 4 fois, 5 fois quand on finira les roues. Mais c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Ensuite, on récupère notre modèle puisqu'il n'y a qu'une seule roue pour l'instant. On le positionne, clac, on a deux petites roues ici. Là, on a deux petits picots à l'intérieur. Ça s'installe correctement donc ici. Voilà. On y met ensuite la petite rondelle à l'intérieur. Et on va venir y mettre la vis AG07 au milieu qui va venir serrer le tout. Et voilà, le modèle est sur ses deux roues avant. Parfait. Ensuite, la suite de la box avec les étapes 54, 55 et 56. Et bien, regardez, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à nouveau la jante avec les rayons, les petits vis à installer, mon petit patron. Je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat quelques heures plus tard. Et donc, voilà, les amis, après quelques heures de montage, la jante de montée ici. Hop, je zoome un petit peu. Voilà, avec tous les rayons. C'est juste superbe. Voilà ce qui conclut cette superbe box. Voilà les amis, la box numéro 7 est maintenant terminée. Impatient de découvrir la box numéro 8. Que va-t-elle contenir? C'est toute la surprise qui nous attend prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre l'évolution de cette sublimissime Jaguar Type E. 60e anniversaire aux éditions Agora Modèle. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous donne rendez-vous très prochainement en attendant pour de nouvelles vidéos, pourquoi pas demain à 7h. En attendant, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et comme d'habitude, que vive notre passion commune pour le modélisme.